Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez un temps pourri comme aujourd'hui, si vous avez peur du gel, si vous êtes en altitude, aujourd'hui c'est le bon moment de planter les kale ou chou kale. Donc on parle de chou frisé, c'est juste une merveille. Vous en aurez toute l'année jusqu'à Noël. C'est ce qu'on va voir tout de suite après le générique. Je viens de planter les kales à 950 mètres d'altitude. Donc, c'est vraiment un légume qui s'adapte vraiment à toutes les situations en termes d'altitude, de climat différentes. Et là, je vous propose, donc, on est parti sur la plantation et on va voir tout le cycle dans le cadre de cette vidéo. Également, d'en planter ici au jardin de Long. Donc, et là, nous sommes à 450 mètres d'altitude. Et je les ai mis sous l'arbre ici, qui est un griottier. Donc, parce que le kale aime pas trop le plein soleil, et mon jardin est vraiment au plein soleil. Donc, c'est vraiment une situation idéale. Après 2 mois et demi à 3 mois, le chou kale atteint une hauteur, je dirais, entre 70 ou 80 cm, donc je traduis entre 70 et 80 cm. Donc, et c'est on ramasse les feuilles de bas en haut et c'est une pure merveille. Il y a énormément de recettes qu'on peut faire à base de ce chou. On peut les ramasser donc jusque en fin d'année, et là vous avez des images au mois de décembre, donc 2020, et on voit encore que les choux sont juste magnifiques. Ils aiment le froid. Ils aiment le temps pourri. Alors le chou kale en fleurs, c'est juste magnifique. Et regardez les pollinisateurs, les abeilles, c'est vraiment trop joli. Donc je vais donc le laisser partir en fleurs. Ensuite je vais faire les graines. Et puis donc je vais les couper et j'aurai des graines pour l'année prochaine. Voilà, la boucle est bouclée, on est parti du planton à la graine. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de mettre des kales dans votre jardin. Si c'est le cas, levez le pouce bleu et puis abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera très plaisir et à bientôt.